Bonjour YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte d'horreur. Si t'aimes bien les découvertes d'horreur, bah je t'invite à t'abonner à cette chaîne ou je t'invite à nous voir sur Twitch. Tu sais, c'est l'endroit où le beat est bon et le chat est chaud. Aujourd'hui, on est malheureusement le chat cache le titre. Mais on est sur Folcroft Monastery. C'est un jeu qui coûte 4€, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai vu personne en parler, j'ai trouvé ça par hasard. Il y avait des bonnes reviews sur Steam. Je me suis dit, il m'en faut pas plus pour qu'on l'essaye. Eh bien écoutez, on est parti. Je crois que ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc let's go. Et puis si jamais c'est mauvais, on sortira le bingo. On est parti, mesdames et messieurs, découverte de Folcroft Monastery. Let's go, babe. Très mal cadré. Il y a des Grecs au Japon, mais ils sont pas fous. Non, non, non. J'ai jamais vu de... Il y aura sûrement des Grecs au Japon. Mais... Mon nom est Anthony. J'ai été approché par un homme qui voulait travailler, qui travaillait pour une organisation qui s'appelle le SMS Group. Il m'a offert un contrat pour aller chercher un artefact dans un monastère abandonné. Et si jamais j'y arrivais, il me donnait 100 000 dollars. C'est vrai que ça fait beaucoup, 100 000 dollars. C'est vrai. Merci beaucoup, Kéros, pour le troisième mois et le prêt. Je pourrais rembourser ma maison, je pourrais... Oh, j'aurais de l'espoir. Ouais, bref, l'argent, quoi. Les locaux disent qu'apparemment ce vieux monastère est hanté. Que c'est la maison d'un mal ancien. Je ne crois pas en fantômes, mais je crois en l'argent. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et même à faire un don. Parce que moi aussi, je crois en l'argent. Mais je crois aux fantômes aussi. Mais plus en l'argent, quand même. Et pas en l'argent des fantômes. Bref. On est parti. Ok, la petite flashlight avec F. Vous voyez, on est sur un jeu classique, développeur solo. Est-ce qu'on a un inventaire? On n'a pas d'inventaire. On peut pas sauvegarder. Ok. Attention, hein. On a fait des très bons jeux qui ressemblaient à ça. On peut être vite surpris. Okay. Oh, corbeau. Pff, ça fait déjà 3 cases de bingo, là. Calmez-vous. Ok. Salut, déchirement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai pris une pièce du Vatican. 1 sur 5. Ok. Ah, attendez, il y a un truc là. Ok. Ok. On peut zoomer. Est-ce qu'on peut courir? On ne peut pas courir. Est-ce qu'on peut se baisser? On ne peut pas se baisser. Ok. Alors, je vous rappelle évidemment les règles. Il y a un code, ou alors il faut que je trouve un truc pour casser ça. Ok, ça doit être le marteau. Si vous avez la réponse à une énigme, vous mettez vue dans le chat. Vous ne spoilez pas l'énigme, s'il vous plaît. Et les modérateurs, si vous êtes fatigués, allez vous reposer, s'il vous plaît. Ok. Donc malheureusement, on ne pouvait pas prendre le marteau de maçon avant d'avoir cliqué sur le cadenas. Donc il y a un petit côté script à l'ancienne. Ok. Hop. Ok. On vous a à l'œil, bien sûr. Ah bah après le jeu qu'on vient de faire, YouTube, on va pas te mentir, on vient de faire Cordosis, hein, qui est juste le plus beau jeu qu'on ait jamais fait sur cette chaîne. Donc c'est vrai que ça pique un peu les yeux, mais... Écoutez. Il y a des jeux au graphisme pas fou qui sont incroyables. Hein. Regardez Phasmo. Ce mot est incroyable. Alors que les graphismes sont éclatés. Ok. Ok, on a une hache. Ok, on a une porte. Non, il n'y a même pas de porte. Des citrouilles, ok. Ah, par contre, les objets en surbrillance, c'est abusé, tu les vois tellement loin. Ok, la porte qui se ferme toute seule. Ok, donc on est dans le monastère. Attendez. On a le lore qui nous est raconté à travers des lettres.
Ok, apparemment il y a des travailleurs qui sont devenus malades et tout, ils savent pas trop à cause de quoi. Ils disent que c'est apparemment à cause de la moisissure. Ouh! Eh! Petit pied de biche. Alors pied de biche, on peut pas le prendre parce que on n'a pas dû. On n'a pas dû déclencher un script. Ok. Ok, donc ça doit être là. Donc là, on appuie dessus, il nous faut quelque chose. Ok, on a compris. Écoutez, pour l'instant, ça démarre, on va dire. Voilà. On a vu mieux. Il est pipou, voilà, il est pipou, on va dire ça comme ça. Ah non, ça c'est pas cool par contre. Que se passe-t-il? Oh les vieux. Là? Bonjour madame. Oh non, les lumières qui clignotent, j'en ai eu assez dans Paranormal VHS, hein. C'était bien de la merde. Okay. Merde, elle est où la porte? Là. Ah putain, si tu fais planche par planche, ça va prendre deux planches. Ah. Mais attendez, on sort du monastère, mais on devait pas rester dedans? Oula, il est possédé ce tournesol. Ok, il faut une échelle. Pourquoi j'irais dans le puits? Ok, il faut qu'on trouve une échelle. Ok. Ok, là-bas il y a un truc. Ça doit être une pièce du Vatican. Le bingo, ouais, je pense que le bingo va pas tarder. Hein. On le fera à la fin au pire. Là, y a rien. Là. Ok, il manque le pendule. Ok, faut trouver un pendule et une échelle. Très bien. Ok. Ok, on a deux portes. Ah non, on a plus que ça. On a un tableau qui tombe. Ok. Fermé. Ok, ça a ouvert une porte à côté. On a la Ouija. Oh, c'est l'ancienne. Ok, il manque la. The planchette! The planchette is missing! Oh! Oh! Where is Brian? Where is my planchette? Oh! Oh dear! Have you seen my planchette? Pardon, excusez-moi. Oh! Mami, where's my planchette? The planchette is in the kitchen. Oh putain. Ouh. En vrai, j'aime bien pour l'instant. Hein. On rigole, mais il y a ce petit côté nanar un petit peu que j'aime bien. Que j'apprécie sur les petits jeux comme ça. Ah ouais, ah ouais, c'est exactement un jeu à bingo ça. Mais c'est un truc de fou. Mais dans le bon sens, tu vois. Ok, ça a ouvert une porte. Ah ouais, ah je kiffe. Ah j'aime bien. J'aime bien, en fait, ouais, il y a tous les clichés, il y a tout, mais. Mais je sais pas, il y a un petit truc que j'aime bien. Il y a un côté sympathique, tu vois. Ok. Alors, attendez, on a. On a un truc pour couper des chaînes.
Mais est-ce qu'il y a un endroit où on pouvait couper une chaîne? À l'extérieur peut-être, j'ai pas tout vu. Ouais, ça doit être à l'extérieur. Il y a peut-être un endroit qu'on n'a pas visité. Ce serait un Français qui aurait inventé la Ouija, il l'aurait appelé comme ça, car un de ses employés aurait dit Ouija avant la séance, ce qui... bonne chance en égyptien, d'accord. Non mais je trouve ça rigolo. Ah ok, ici. On est ici. Ouh mais attendez, la map est grande. Alors, ne prenez pas ça comme une insulte ou quoi que ce soit. Mais je trouve que l'ambiance me fait penser à certaines maps de Ghost Exorcism. Je dis prenez pas ça comme une insulte parce que le jeu est un petit peu éclaté. C'est pour ça. Ce jeu-là, hein, pas Ghost Exorcism. Alors je vais me taire, je crois. Je suis en train de creuser. T'allais le dire, t'as vu Iso? Y a un petit truc, je trouve. Merci beaucoup Nikos pour le Prime. Merci énormément. Alors attends. Il faut qu'on trouve la planchette. Where is the planchette? Ok, elle doit être là-bas, je pense. Non, merci. Non, merci. Ok, c'est fermé. Celle du fort, ouais. Alors attends, ah attends, il y a un code là. Oh, c'était quoi là? Calme-toi. Tu murmures pas dans l'oreille comme ça, toi. Ok, c'est un code à 5 chiffres. Il y a un code à 5 chiffres, mesdames et messieurs. On va aller à la cave du coup. J'essaye de voir ici si on n'a pas un petit code qui traîne, un numéro, non? Vous avez du feu? Ok, on va aller à la cave. Merci, la deal. Vous le voyez là? Holy shit! Alors ça, je m'y attendais pas. Bien joué. Ah, il veut jouer le dev. Il veut jouer avec nous. Ok. Mesdames et messieurs, le nouveau jeu commence. Le premier qui sursaute, il a un petit zizi, ok? Vous sursautez pas. Attention, interdiction de fermer les yeux. Ok, on ira là après. C'est le nouveau challenge. Eh, vous, non, eh, calmez-vous. Hein. Il y en a qui vont mettre des jumpscares. Ça compte pas. Hein. Ok, là, y a rien. Je ne sursauterai pas. Ok. Tu connais déjà ce jeu, mademoiselle? Ok. Alors je vois pas pourquoi ça s'est fermé, mais ok. C'est quoi ça? Ah, il me faut un briquet pour rallumer ça. Ok. Ok, là il y a quelque chose. Il y a une pièce du Vatican. Ah non. La mère Elisa. Ok. Ah, donc en gros, elle a peur que le diable ne peut pas être contenu plus longtemps. Donc apparemment, il y aurait une entité maléfique contenue dans ce monastère. Et elle a peur de ne pas arriver à le contenir. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller visiter la porte qui est ouverte. Je suis trop une flippette pour ça, mais j'ai vu des extraits de ce jeu. D'accord.
Je sais pas comment j'en ai entendu parler. Je crois que je suis vraiment tombé dessus par hasard, soit sur Steam, soit sur Twitter. Oh! Je croyais que c'était une guitare au début. On a le pendule. Ok, on a le pendule. Je l'avais même pas vu. Je l'avais. Coucou! Ils auraient dû rajouter un coucou. Mais moi j'aime bien. Ok, il manque quelque chose. Il lui manque l'épée, la statue. C'est le bon nanar, vous voyez. Il y a le bon et le mauvais nanar. Paranormal VHS, c'est le mauvais nanar. Ça, c'est le bon nanar. Et ce qui est bien, c'est que pas tous les jumpscares, il y a le son qui est trop fort, tu vois. Il y a des jumpscares, si tu fais pas gaffe, tu les loupes, tu vois. Là, il y a un truc qui va tomber des escaliers. Pas du tout. Pour l'instant, j'ai pas sursauté, hein. Ok, on a le pendule. Faut que je me rappelle où il est, par contre. Voilà, c'est un jumpscare pipou. C'est du pipou. C'était où? C'était là-bas, je crois. Ah, oui. Non, si, non, c'était pas là le pendule, c'était ici. Ouais, voilà, c'était dans la grande salle. C'était là. Ok. Ok, on vient de m'enfermer. On vient de m'enfermer, tout va bien. My planchette! J'ai pas sursauté. Je n'ai pas sursauté. Ok. Qui a perdu dans le chat? Qui a perdu? Vous avez perdu? Moi j'ai ri aussi, mais je n'ai pas sursauté. Ok. Donc là j'ai la planchette. Ok. Il en restera plus qu'un à la fin. Moi, j'ai toujours pas perdu. Ok, toutes les portes se sont fermées. Alors, la planchette, c'était là-bas, je crois. Ouais. Ok. Alors. 3. 7. Ah, c'est le code! 3, 7, 4, 9. 3, 7, 4, 9. Ok? 3, 7, 4, 9, 5. Notez-le dans le chat. 3, 7, 4, 9, 5. Ah bah il le met là. Ok. Il arrive quand même à me mettre la pression un petit peu, hein. Hein, on rigole et tout, mais il arrive un petit peu à me la mettre la pression. Hein. Oh, ça s'est ouvert ici. Ah, ok, il est là, je le vois. Avec un couteau. Oh, le briquet. Au moment où je rallume, tu mets un coup de fouet. Ok. Attention, j'ai du feu, hein. J'hésiterai pas à m'en servir. Il était en train de pisser avec son couteau, d'accord. Et il y a du fioul. Oh là, il remplit toutes les cases. Ok. Ok.
Je lis vite fait en diagonale, hein, s'il y a vraiment des trucs. L'histoire, spoiler alerte, hein, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Ok, j'ai presque plus de nourriture, machin. Ok. À mon avis, on a affaire à la nonne qui essaye de garder le mal, tu sais. Le mal a dû l'atteindre ou elle a dû mourir et se faire posséder, je sais pas. Ok. C'est. Oh, sympa ce petit moulin. C'était où le. Le coffre, il était où, chat? Je m'en souviens plus. Le coffre, il était où? Il était à la cave? Sous-sol? Il était au sous-sol, ok, c'est ce qui me semblait. Ce qui me semblait. Putain, je me suis fait peur tout seul avec les bruits de pas. Vous souvenez du code? Vous pouvez remettre le code, s'il vous plaît? Ok. Oh! Oh ouais. Merci énormément à toi qui viens de claquer ta holly. Tu viens de sauver la streak là. Merci énormément. Merci beaucoup. Légis, si tu peux nous mettre un petit point d'exclamation. Streak plus? Ok, il était pas ici. Ah, oh, merci énormément. N'hésite pas à nous dire ce que t'as claqué. Attendez, il est pas là le coffre, vous m'avez raconté de la merde. Merci. Mais il est pas du tout là le coffre, qu'est-ce que tu me racontes, chat? Coffre chapelle. Ah, il est en haut dans la chapelle, ok. Et donc là, il doit manquer un truc. Placé au centre. Ok. Du coup, le truc doit être dans le coffre, j'imagine. Merci énormément à la personne qui vient me claquer, merci beaucoup. Comment tu vas, monsieur, madame Solva? Ton cœur s'est arrêté? Écoutez, pour l'instant, moi, je tiens bon. Pour l'instant, je tiens bon. Ah oui, le coffre était juste là sous l'hôtel, oui, vous avez raison, je m'en souviens, il est là. En fait, j'essaye de prédire où sont les jumpscares pour pas sursauter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça me stresse. Je m'auto-stresse. Alors attends, c'était quoi le code? 37495. Ok. 37 495. Ok. Nice. Et là, on a un bouclier et un jumpscare. Pas du tout. Un bouclier, d'accord. Le bouclier, il faut le mettre sur la statue. Mon cœur a sursauté. Mon cœur a fait comme ça. Hein? Mais moi, non. Donc ça va, tout va bien. Oh, si tu veux, léger. Bouclier sur le garde, ouais. Et pour un petit jeu à 3 euros, 3-4 euros, ça va en vrai. Hein. Le mec il a fait ça en 2-3 mois et encore. Tout seul. Ouais, mais le truc, le problème, regardez, c'est que lui aussi il lui manque un truc. Eh ouais, c'est ça le problème. Donc il y a un truc qu'on n'a pas vu. Ou il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. La porte là-bas, attendez. La porte là-bas, pourquoi elle était fermée? Ouais, si c'est le cœur qui sursaute, on est bon. Hein. Faut que ce soit le corps complet qui sursaute. Cette porte est fermée, mais on ne sait pas pourquoi. Allez-y, j'écoute vos idées, chat. Au mauvais niveau. Ouais, je suis au max niveau vitesse. Je peux pas sprinter, je peux rien faire. Je peux même pas me baisser, rien du tout. Ok, donc ça doit être une épée le truc qui nous manque. Soit un deuxième bouclier, soit une épée.
Qu'est-ce que j'ai ramassé qui pourrait m'aider? J'ai rien. Putain, je viens de me refaire avoir avec ça. À mon avis, il y a forcément une salle qu'on n'a pas vue. À l'étage, peut-être. Là. Ok. Ok, on est good. On est good. On n'est pas bloqué, on est good. On a deux fois le même tableau. Ok, là c'est bloqué. Eh, n'empêche, pour l'instant, il n'y a pas de bug. Le jeu tourne bien et tout. Hein. Alors. Hell well. Ok. Oh, mais c'est l'échelle pour le puits! C'est l'échelle pour le puits! Ok. Petit jumpscare à la fenêtre. Attends, elle est derrière la porte là? Elle est derrière la porte. Non, attends. Si? Chut, dites rien, on l'a pas vu. Chut, chut. Oh! J'ai trouvé une échelle, Thierry! Dirigeons-nous vers le puits! Oh mon dieu! J'ai eu vraiment peur! Oh zut! J'aurais trop aimé. T'imagines, elle est cachée derrière la porte. T'es comme ça. T'sais. Elle est derrière la porte, imagine, elle est derrière la porte. T'entends. Ok, on a l'échelle, faut retourner au puits. Le puits, il était là. Comme une gosse, ouais. Ok. Ok, on va dans le puits, mesdames et messieurs. Alors. On a un squelette. Oh putain, il y a tellement de cases du bingo qui sont remplies. Je vous laisserai faire YouTube, je te mettrai le bingo en description, au pire. Comme ça, tu le fais. Oh, et on a l'épée! Ok, elle est derrière, elle est là. Ok. J'aime trop le jeu à aucun sens. Mais j'aime trop. Ouh, ça par contre. Ah, attends, c'était où? C'était là. Voilà, c'est la nonne 2, exactement. Non, c'était pas ici. C'était pas ici. C'était pas là. Bah, ça devait être là, du coup. C'est presque un jeu découverte du thème paranormal. Pas faux. Ah, attendez, on va mettre l'épée. Ça va nous débloquer un truc. Écoutez, moi, je passe un bon moment, hein. C'est pas fou, hein, mais je passe un bon moment. Il y a des petites idées, tu vois, il y a des petites idées de jumpscare, c'est sympa. Les livres derrière la porte. Ok, ça va. Ah oui, l'armoire, bien vu. C'est chill. La None 2, quel film de merde. Mais tu vois, je suis même pas surpris. Kiki, que, comme tu préfères. Ah, attendez. On va dans la cave de la cave. Ce qui est aussi une case du bingo, d'ailleurs. Ok. Là, on a une pièce. On a 3 pièces sur 5. Et peut-être que ça débloque une deuxième fin. Hein. Ok. Lui, il a l'air un petit peu mort. Lui aussi, bizarrement. Ok. N'ayez pas peur. Excusez-moi, mais la façon dont il est mort. Le mec, en fait, le mec, même dans la mort, il est fier, quoi.
sais, c'est les kékés qui vont à la gym depuis un mois et demi et qui marchent les pecs en avant. Eh, qu'est-ce que tu vas faire, sac à merde? Eh ouais, je me suis pendu. Et alors? Je fais ce que je veux de mon corps. Hein? Pardon. Tu vois, l'autre, il a préféré se bander les yeux plutôt que voir ça. Ou alors, c'est un fan de Michael, je sais pas. Les gens ici sont des monstres. La torture, ils nous torturent, ils prennent notre sang pour des rituels. Ils nous laissent proches de la mort. Tout ça pour faire des cérémonies à la con, pour appeler quelqu'un qu'ils appellent le maître. Mais on ne l'a jamais vu. Ok. Alors, à quoi ça m'a servi d'aller là? Oh, il y a la physique. Attendez. Oh. Ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que lui, par contre, il se fera pas avoir par les nouveaux prix d'Unity. Hein. Alors. Attendez, j'ai dû louper un truc. Écoutez, on va aller de l'autre côté. J'ai pas sursauté, c'est pas faux. C'est pas vrai. C'est. Hein? Fermez-la. Niquez-vous. En trois mots, hein. Nique et vous. C'était quoi ça? C'était un minotaure. Quand tu as Franck. Attends. Ah non, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, la cheminée, elle est stylée. Je connais des gens qui aimeraient bien avoir cette cheminée, hein. Ok, une vierge de fer. Alors, je sais pas comment ils ont fait. Il y a une chaise de torture, mais il y a du sang que sur le mur, tu vois. La chaise, elle est nickel. Comme quoi. Oh, on a le calice! Après la planchette, nous avons le chalice. Le chalice. Merci énormément, Hit My Ship, pour le sub offert. Merci, Stirlix. Merci beaucoup. Ok, donc ça, il faut le mettre dans la cave où il y avait la statue. Ok. Des bisous à tous nos amis québécois. Est-ce qu'on a des Québécois ce soir dans l'audience? On a trouvé un calice. Ok. Des bisous à vous les Québécois. Ok. Il faut le mettre là et ça va ouvrir cette porte, je pense. Ok, ça a ouvert la porte. J'ai trop aimé le son de la porte, quoi. Porte.wave. Tu dis un truc, un viewer a le même pseudo que la phrase que tu as dit. C'est vrai? Incroyable. Ok, nous sommes dans des catacombes. Ok. Des catacombes. À votre avis, ça va finir comment? Mesdames et messieurs, tout de suite, la modération va vous faire une prédiction. Est-ce que le perso va mourir à la fin? Oui? Non. On ne sait pas. À moins que modération, tu aies une meilleure idée de prédiction, hein. Ok, on a 4 pièces sur 5. 4 pièces sur 5. Points de chaîne à la clé. Ah oui, mais les prédictions, c'est avec des points de chaîne, bien sûr. Je vous rappelle qu'avec les points de chaîne, vous gagnez des giveaways. Et je vais vous faire un giveaway d'une carte 20 € au lit demain, je pense. Ok, on a un levier. C'est pas du tout suspect, hein. Pas du tout suspect, un levier. Ah non, c'est une pelle? Ah non, c'est un levier. Ok, ça c'était stylé. Ça c'était stylé, je m'y attendais pas. Bon, les modos n'ont pas l'air d'avoir envie, c'est pas grave. On les aime quand même. Ah si, merci, c'est... Merci, c'est l'état.
Attends, mais comment ils ont fait pour foutre cette statue ici? T'as vu la taille du truc? Ok. Ouais, c'est un piège. Non, mais tu me prends vraiment pour une teub? C'est obviously un piège là. Tu m'auras pas. Ah non, c'est un ascenseur! Ok. Oh, attendez. La statue fait le signe rock'n'roll? Attends. T'es sérieux? Attends. Attends. À mon avis, c'est la fin, donc attends, j'ai envie d'aller voir. Attendez, j'ai envie d'aller voir. Allez-y, vous restez 50 secondes pour la prédiction. Cette statue-là? Mais non, elle te fait un chabit. Chabit. D'ailleurs, si vous aimez les statues, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous cherchez le jeu qui s'appelle Statue dans la playlist Je finis à la piste. Allô? Ok. Oh, j'ai cru qu'on était bloqué. Et ce jeu était assez incroyable. On a passé un très bon moment sur ce jeu. Merci encore, Hit My Ship. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, la dernière pièce. Il a des cheveux, lui? Qu'est-ce que... Je pense que c'est... C'est dégueulasse. Ok, on a les 5 pièces. Ok, il va y avoir un sacrifice. Où il y a eu un sacrifice. Ok. Avec du sang. Ça en fait beaucoup de sang quand même. Hein. Des champignons, je sais pas. Attendez, je visite un peu. Avant de faire des conneries, parce qu'à mon avis, ça va partir en couille quand je vais toucher un truc. Ok. Ça... Ouah, ça va me tomber dessus, ça. Artifact. Ah, mais c'est le bouquin que l'autre, il voulait que j'aille chercher. Et oui, c'est vrai que... Il nous doit 100 000 dollars. C'est ce qu'elle m'a dit, bien sûr. Il nous doit 100 000 dollars. Prends l'épée, s'il te plaît. Oh, prends l'épée, là. J'aurais bien aimé qu'on se batte, quelque chose. Donc là, il faut qu'on sorte, maintenant. Ok. Et à nous la gloire, enfin la gloire non, mais la fortune quoi. 100 000 dollars, c'est beaucoup 100 000 dollars. Allez, petit jumpscare. El Matador. Des bisous, Mamelovitch. Des gros bisous. M2! Ah, il est cassé son ascenseur là. Et gros bisous, maman. Faut qu'on joue ensemble d'ailleurs, maman. Ok. Donc là, il suffit, entre guillemets, qu'on sorte. Sauf qu'il va bien se passer. Oh putain! Ok. Vite, ferme la porte! Non, on peut pas. Les bruits de pas, j'adore. Ok, ça va nous emmener vers cette porte là qui était fermée au début. Est-ce que lui il nous suit toujours? Il a pas l'air de nous suivre, si. Ah, moi j'aime bien faire le con. Ouais, pas toi aussi. Mais nous, qu'est-ce que tu fais? Ah, quand je suis pas dans les escaliers, tu me vois plus. Ah, d'accord. Bah, écoute. Ok.
Du coup, on va pas courir. Ok. Il y a notre voiture. Ah, attendez. Ah, mais c'est le tout début du jeu! C'est le tout début du jeu! Attendez, je veux juste aller voir parce que du coup, si on a fini le jeu, je vais aller voir si du coup la porte ici est fermée ou pas. Maintenant, on peut courir. Bon, j'ai sursauté un peu, hein, j'ai perdu, chat. J'ai perdu, je suis désolé, je vous ai déçu. J'ai essayé, hein, mais. Trop flippant, trop flippant! Calme-toi, Magma. Alors, bon bah écoutez, c'est la fin du jeu. J'imagine. Est-ce qu'il y a un twist à la fin? On va voir. Alors. Ah bah 100 000 dollars, tu vas pouvoir t'acheter une autre caisse. Hein. Oh, on a fini le jeu. Bah écoutez, est-ce que le jeu vaut 4 euros? Je suis pas sûr. Pour moi, ça vaut plus 2 euros. Bah écoutez, c'était sympa. On a passé un petit moment ensemble, 40 minutes, c'était sympa. Oh, c'était pas fou quoi. Alors attends, je suis parti aussi vite que j'ai pu. Heureusement, j'ai pris l'artefact que le mec m'a demandé. Je suis retourné chez moi. J'ai appelé l'homme mystérieux en échange du book et de mon payment. Mais le numéro ne marchait plus. Ça fait maintenant une semaine et j'ai aucune trace du mec mystérieux de SMS Group. Bah oui, mais... Bref. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que cette malédiction m'a suivi chez moi. Je commence à devenir paranoïde, donc paranoïaque. On dirait que quelqu'un ou quelque chose me regarde. Mon seul choix est d'essayer de retrouver cette compagnie et d'avoir des réponses par rapport à ce livre. Pourquoi ce livre est important? L'endroit... Attends, The Only Place Left to Try... C'est le dark web. Le seul endroit où je peux peut-être trouver des réponses, c'est sur le dark web. Peut-être que quelque chose m'expliquera qui sont ces gens. Quelqu'un ou quelque chose. Ok. C'est ça la fin? T'es sérieux? Non mais attends, le scénario, il est plus qu'éclaté là. C'était nul à chier. Toby continue. Non mais Toby continue. Désolé ma couille, mais moi je remets pas 4 euros pour un truc de 40 minutes quoi. Ah non, non mais c'était tout clacos. Ouais, j'ai quand même passé un moment sympa. Voilà, c'était Folcroft Monastery, YouTube, juste pour le petit plaisir de se faire plaisir. Pour le plaisir de se faire plaisir, on va se faire un petit bingo comme ça en fin de vidéo. N'hésite pas évidemment à me dire ce que t'as pensé du jeu en commentaire. Alors, attendez, on va se faire un petit bingo. Non mais petit bingo, tranquillou bilou, mesdames et messieurs, y a pas de honte à ça. Hop. Voilà, on se fait comme ça. Alors, au niveau du bingo. Non, mais je suis con, c'est le bingo Phasmo, ça. Attendez, c'est le bingo horreur qu'il me faut, c'est pas le bingo Phasmo. Voilà, il est là. Petit bingo, non, mais histoire de voir, est-ce qu'il fait le bingo, mesdames et messieurs. Écriture sur les murs. Corbeau. Qu'est-ce qui bloque un accès? Oui. Screamer à la fenêtre? Non. Journal audio? Non. On se réveille au début? Non. Mannequin? Oui. Signe satanique? Toilette sale? Oui. TV qui s'allume? Non, c'était une TV qui s'éteint. Lampe torche et pile? Non. Pas d'inventaire. Du sang partout. Jumpscare trop fort, oui. Mamie creepy, non, non. Impossible de courir. Lourd passe. Eh, hey, il fait pas le bingo, hein. La lampe torche, il n'y avait pas de pile, hein. C'est le briquet, hein. On va en tenter un deuxième. On va en tenter un deuxième, parce que... Tiroir vide simulator, non. Mannequin, oui. Toilette sale, oui. Essence et briquet, oui. Glitch bug, non. Énigme avec une horloge, oui. Non, je pouvais courir à la fin, mais au début, je pouvais pas courir. Jumpscare éclaté, oui. Écriture sur les murs. Perso meurt à la fin. Une cave. Écriture ensanglantée, impossible de courir. Casser des planches, oui. Échelle, oui. Pied de biche, oui. Accident de voiture, non. Eh, comme quoi, la théorie du bingo est à moitié validée. On a passé un bon moment. Et le bingo n'est pas validé, mesdames et messieurs. Et pourtant, on en a essayé deux. On va en essayer trois, parce qu'on est des fous. Mais non. Ah bah, les briquets essence. Ah non, tu vois, ça marche pas, hein. Quelqu'un à poil, non, il n'était pas à poil. Tableau qui tombe, oui. Cinématique inskippable. Asset connu, ouais, mais c'est pas fou non plus. Signe satanique. Non, il n'y a pas de... Aucune arme, jumpscare éclaté. Casser des planches, impossible de courir. Voilà, mesdames et messieurs. Il ne fait pas le bingo. Incroyable, mais ouais, GG au jeu. GG à toi, YouTube. Et puis, des bisous. Des gros bisous. C'était pas fou, hein. Mais c'était sympa. Des bisous.